Allez, va-t'en. Idiote. Ne reviens plus ici. Allez, va-t'en. Va prendre ton sac. Vas-y. Va prendre ton sac. Idiote. Tu n'es qu'une idiote. Allez, lève-toi. Lève-toi. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Allez, viens. Prends ton sac et quitte d'ici. Si jamais je te voyais encore dans cette maison, hein, ce que je te ferai, tu vas regretter de toute ta vie. Et pour ne rien te demander alors, prends tes affaires. Tu me dois 24 mois. Et pour me payer, rien. Tu n'as absolument rien. Que d'autre as-tu que je pourrais te demander? Rien. Allez, va-t'en, quitte ici. Je vous en prie. Que j'essaie seulement de te revoir dans ma parcelle. Si tu veux, tu pourras appeler tout le monde que tu voudras. Je leur dirai que ici, c'est chez moi. Cette maison m'appartient. Puis nous allons voir ce que ça va faire. N'ose même pas. Va appeler qui tu veux. Thank you.
Regardez-la. La voilà. Oh mon Dieu! Félicia! Félicia, Félicia, s'il te plaît. Non. Attends, attends. C'est moi, Grâce. Attends. Pars. Félicia, c'est moi, Grâce. Grâce au kéké. Je n'ai pas un problème avec ton apparence. Tu restes mon amie. Désolée, Dozori. Assieds-toi, assieds-toi. Mon amie. Félicia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es retrouvée dans cet état? Comment? Comment m'as-tu retrouvée? À propos de ça, j'avais posté ta photo sur les réseaux sociaux et une personne avait commenté ma publication et il m'a donné des informations sur toi. Mais malgré ça, j'aimerais voir ce démon qui t'a fait ça. Mais pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi? Combien avait-il été payé? Non, 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 non. Félicia, non, 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 non. Je veux qu'on l'arrête. Et il doit payer pour tout ce qu'il t'a fait. Non, pas toi, Félicia, non. Non, pas toi. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, Félicia, non. Je n'avais pas d'idée. Je te cherchais partout. Pourquoi tu ne m'avais pas cherché? Pourquoi? 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 Oh mon Dieu! Il doit être arrêté. Non, 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 non. J'ai dit, il est supposé d'être arrêté. Je t'en prie. Hein? Je ne fais pas de problème. Je laisse tout entre les mains des dieux. Je ressens la même chose, Félicia. À chaque fois que j'avais un problème, tu ne m'avais pas laissé. D'accord, c'est bon. Le but de ma présence ici, c'est de te sortir de ces liens. Je vais te ramener chez moi et aussi t'acheter des médicaments, prendre soin de toi comme il faut. Je ne savais pas que je te réveillerais, Grâce. Merci beaucoup, ma belle. Tu es aussi belle. Tu es belle. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Où sont les gens avec qui tu vis? Je vais leur parler pour... Désolée. Désolée. Je vais voir d'abord premièrement les gens avec qui tu vis pour leur demander la permission d'aller avec toi. Où sont-ils? Oula. Attends-moi, j'arrive. Ok. Mais arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Salut. Il y a quelqu'un dans la maison? Tu peux entrer. Ah, bébé. Salut, bébé. Tu es de retour? Oui, je suis là. Je te souhaite bon retour. Merci beaucoup, mon amour. D'accord. Doucement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'as tellement manqué. Mmh. Mmh. Comment vas-tu? Je vais bien. Je t'en prie. En passant, j'aimerais te présenter à... Ok. Félicia, je te présente mon mari, bébé. Elle, c'est Félicia, mon amie. Oh, sois la bienvenue. Oh, merci. Oh, merci bébé, merci beaucoup. Que j'entre déjà ces affaires. Oui, vas-y, merci bébé, merci beaucoup. Félicia, laisse-moi prendre soin de toi, ok? Doucement. Grâce. Oui chérie. Tu as une belle maison. Oh, s'il te plaît, allons-y dans ta chambre. Marche doucement, ok? Doucement, s'il te plaît. Bébé? Oui, mon amour. Pourquoi ne m'avais-tu pas dit que tu venais avec ton ami? Oh, papa. Auparavant, je n'avais pas cette idée-là de la ramener chez moi.
Mais quand je suis arrivée chez elle, mes chéris, elle allait très mal. Très très mal. Je ne devais que l'amener avec moi. Mais j'étais en train de t'appeler pour t'informer. Mais tu ne prenais pas mes appels. Pourquoi? Oh, je suis désolée. J'étais en réunion avec mon boss. Oh, vraiment? Oui. Comment ils vont? Bien, bien, bien. Oui. Mmh. Parlons. Bébé. Qu'est-ce que c'est? J'ai une demande. Je sais, bébé, s'il te plaît. Promets-moi que tu ne vas pas me dire non, s'il te plaît. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Bébé, je voudrais qu'elle reste avec nous pendant qu'elle sera en train de suivre ses soins médicaux. Elle va retourner quand ça serait fini. Bébé, s'il te plaît, je te supplie au nom de Jésus. S'il te plaît. Hein? Je ne peux pas dire non. Sinon, je sais que je risque de ne plus manger. Bien dans cette sûr, maison. Tu ne vas plus manger. C'est bon. Vraiment? Mm-hmm. Ça signifie que tu as accepté. Bien, je veux la manière dont tu la regardes. Il est vrai que tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes c'est pour vrai. Elle. C'est vrai. Et alors? C'est oui? Comme tu peux le voir. Yes! Je t'aime! Je t'aime aussi, bébé. Je t'aime beaucoup. Merci. Dis-moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, bébé, c'est vraiment une très longue histoire. Quand je vais aller te servir, je vais te raconter à propos de ça. Oh, l'heure de dormir est le meilleur moment. Tu es terrible, un l'heure mauvais de dormir garçon. Le meilleur moment. Bébé. Tu sais que je suis fatigué. D'accord. Mon tu amour, vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Michael. Oui, comment vas-tu? Oh, Félicia. Je vais bien. Comment était ta nuit? Ça s'est bien passé. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Bébé, prends ton sac. Emmanuel. Oui, madame. Ouvre les portails. Ça va. Pourquoi es-tu dehors? Tout va bien? Je vais bien, je voulais es-tu juste sûre? Prendre un peu de l'air. Tu n'as pas besoin de quelque chose? Non, j'ai pas fait tu de l'air. Tu es bien dormi? Oui. Bye bye. Au revoir, Michael. Tire Grâce au bout de fil. Hey. Elle est pro. Hey. Allô, Grâce. Ma jolie fille, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, maman? Ma fille, je vais très bien. Tu peux les sentir même avec ma voix. Tu vois, les médicaments que tu m'avais envoyés récemment étaient vraiment de bonne qualité. Ça m'avait vraiment soulagée. Vraiment? Je suis heureuse de l'apprendre. Merci beaucoup, ma fille Grâce, merci. Comment va ton mari? S'il est là avec toi, laisse-moi causer avec lui. Non, il est déjà allé au travail. Mais tu peux lui laisser un message. Heya, à son retour, dis-lui qu'on avait causé. Devine quoi, maman? J'ai retrouvé Félicia. Quelle Félicia? Notre seule Félicia. Attends un instant. Ton amie? Oui. Ta meilleure amie? Oui. Où est-ce que tu l'as retrouvée? Elle va bien, je l'ai ramenée chez moi. J'avais demandé à mon mari si elle pouvait rester avec moi. Oh, tu l'as emmenée chez toi? C'est vraiment gentil. Comment va-t-elle? Est-elle avec toi? Laisse-moi causer avec elle. Non, elle n'est pas à mes côtés. Je pense qu'elle est en train de dormir. Vu que le malade, elle est en train de prendre ses médicaments. Comment ça? Est-elle malade? Oui, maman. Ce n'est pas bien.
Eya, ok, pas de problème. À son réveil, appelle pour que je cause avec elle. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Tu sais que c'est ta meilleure amie. T'inquiète pas, maman. Je sais que je dois prendre soin d'elle. Je le sais, ma fille, je le sais. Bye. Bye. D'accord. Qu'est-ce que tu fais planter là comme si tu étais mon garde du corps? Tu étais supposé aller au marché en ce moment et prendre l'argent auprès d'Ojuku. Hein? Maman, c'est encore tôt. Les gens sont encore au marché. Comment ça? Oui, j'irai un peu plus tard. Comment ça, c'est tôt? Ok, alors qu'est-ce que tu fais à la maison? Maman... S'il te plaît, va dans son shop et prends-moi cet argent. Maman, j'irai plus tard, pas maintenant. Je partirai. Pas de problème. Je fais ma part. Je finis ma part. Tu ne reviendras pas vers moi pour me demander cet argent. Je ne te le donnerai pas, tu me connais. Je te connais, maman. Je sais que tu me le donneras. Réponds ton téléphone. Maman. Hé, hey, oh mon Dieu. Oui, c'est ici. C'est ici, ma maison. Bienvenue chez moi. Merci. Ah, c'est parfait. Tu peux faire comme chez toi. Merci beaucoup. Où est Grace? Grace? Je pense qu'elle est à l'intérieur. Mike, bébé? Mike. Normalement, elle devait déjà venir t'accueillir devant la porte. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Vous n'aurez pas un problème de couple? Pas du tout. Il n'y a aucun problème. Nous allons bien. Est-ce que tu veux vous m'assurer? J'ai dit qu'il n'y a aucun problème entre nous. Bébé? Bébé, es-tu là? Salut bébé. Salut bébé. Oh. Ouais. Ah, regarde-toi. Oh. Tu es tellement belle. Non mais vraiment, regarde-toi. Tu sais, je connais mon ami, il ne peut pas flasher ou regarder d'autres filles à part toi. Hein. Vraiment. Chérie, tu sais quoi? Ton ami, c'est vraiment un homme amoureux. Oh, vraiment? Vraiment. Mais ça fait longtemps que tu es passé nous voir. Je sais comment faire pour doubler mes revenus pour dépasser ton mari. Non, 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 non. Tu ne peux pas dépasser mon mari. En tout cas, non, pour non, moi, non, non, je non. Suis. Merci d'être venu. Merci. Ça fait longtemps, tu sais. Tu sais comment ça s'est passé. Mm-hmm. Alors, bébé, comment s'est passé le travail? Bien, bien. Mais ça pouvait être plus mieux. Si tu étais là... Oh. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, et ça va. Et qu'est-il de ton amie? Comment va-t-elle? Oh, elle est toujours en train de dormir. Je pense que les médicaments qu'elle prend la fatiguent un peu beaucoup. Je comprends. Mon cher, écoute, tu as une nouvelle servante? Non, c'est mon amie. Elle va juste passer un peu de temps avec nous. Ton amie? Oui. Elle est adulte? Bien sûr. Est-ce qu'elle est fiable? Excuse-moi. Oh non, je ne suis pas prête pour tes provocations aujourd'hui. Non, non, vraiment. Non, je vais juste me rassurer que tout va bien. De quoi est-il en train de parler? Tu sais quoi? Laisse-moi aller vous faire quelque chose à manger, ok? Très bien, très oui, bien, d'accord. Très bien, très bien. Un plat, juste un plat. Tu n'as jamais changé. Vraiment. Un bon truc à manger. Eh bien, dis à ton amie qu'elle est très belle. Ago, calme-toi. Tu es chez moi. Calme-toi. Ah non, ne dis pas n'importe quoi. S'il te plaît. Alors, comment ça s'est passé avec le RH? Bien, bien, ça s'est bien passé. Désolée, je suis obligée de le faire pour que tu te sentes bien, mieux. Grâce. Tu te débrouilles bien. Vraiment? Oui. Ok. De ce côté? Oui. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Ma belle. Oh mon Dieu. Grâce. 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 Hey, bébé. Oh. Oui, bébé. As-tu fini de manger? Qu'est-ce qui se passe ici? Où? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là-bas? Oh, Félix avait très mal au dos. Voilà pourquoi j'étais en train de l'amasser. Écoute, Grace, tu es une femme mariée. Et je crois que tu dois assumer tes responsabilités et faire tes tâches comme une femme mariée. Hmm? Bébé,
Je n'ai pas abandonné mes responsabilités étant ta femme. J'étais juste en train de l'aider vu qu'elle avait très mal. Ça te dérange? Je suis désolée. Dis-moi, as-tu mangé? Non. Tu as aimé la nourriture? Dis-moi que tu as aimé. Je n'ai pas mangé. Je t'attendais pour qu'on le fasse. Bébé, tu ne devais pas le faire. Voyons, j'avais déjà mangé avec Félicia. S'il te plaît. Depuis quand est-ce que ça a commencé? Bébé, je sais que nous sommes supposés manger ensemble. Mais rappelle-toi, Félicia est mon amie. Je ne peux pas quand même refuser si elle me demande de manger avec elle. S'il te plaît. Et je ne veux pas que tu t'occupes à faire ces choses-là. Ok, je promets. Désolée. Bébé, je t'aime. Du coup, il refuse de me donner cet argent. Il a dit qu'il m'attendait au marché. Il a utilisé cet argent parce que je n'étais pas allée à temps. Et tu pleures? Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Je demande juste si tu pleures. Que veux-tu que je dise? Et pourquoi tu pleures? Maman, tu ne me donnes pas d'argent. C'est à quoi importe cela? Ce n'est pas du tout mes affaires. Ce n'est pas du tout de mes affaires. Si je me rappelle bien, ne reviens pas vers moi en pleurant, parce que je ne te donnerai pas cet argent. Je me rappelle t'avoir dit, ne reviens pas me dire quoi que ce soit au sujet de cet argent. Donc, du fait que tu t'es décidé de porter celle ta croix, porte-la, ne m'implique pas là-dedans. Hein? Quand est-ce que tu t'es allé récupérer cet argent? Maman, quand? Aujourd'hui. Ma fille, tu t'es allé récupérer cet argent aujourd'hui parce que tu es une paresseuse. Tu n'avais pas voulu y aller les jours qu'il t'avait appelé. Il a bouffé cet argent. Il a déjà bouffé cet argent. Tu ne passeras pas à cet examen. L'histoire est finie. Maman, c'est pas vrai. Oh, du coup, me donnera cet argent. Arrête-moi ça. Pourquoi tu ne peux pas aller faire cette femme? Il doit me donner sa boutique. À la place, maman, je dirai à la maison. Du coup, tu dois me remettre cet argent. Je dois passer cet examen. Ferme-moi cette bouche, idiote. Tu n'as encore rien vu. Je t'encourage. Continue de pleurer. Tu passeras cet examen à la maison. Maman, idiote. Il me donnera cet argent. Ah, tais-toi. Il doit me remettre cet argent. Sinon. Vraiment. Ah oui. Vraiment. Oh. Ça fait rire. Oh. Oh, bébé. J'étais déjà en train de préparer. Mais pourquoi tu bloquais la porte? Oh, qu'est-ce que vous faites? Je t'avais dit que j'ai faim. Au lieu que tu ailles me trouver quelque chose à manger, et te voilà ici en train de ne faire. C'est quoi ça? S'il te plaît, bébé, calme-toi. Je retourne pour préparer. Ta nourriture sera prête. S'il te plaît, bébé, calme-toi. N'essaye pas de me calmer, s'il te plaît. Fais attention. As-tu entendu ce que j'ai dit? Fais attention dans cette maison. N'importe quoi. Bébé. Félicia. Grâce. Mais pourquoi est-ce que vous criez? Crier? Non, nous n'étions pas en train de crier, mais nous étions en train de jouer. Oui, c'est ça. Parfois, on s'amuse. Oui. Il a faim. Laisse-moi lui faire quelque chose.
il est sorti. C'est ça. Peut-être que quelque chose est arrivé. Oui. Grâce. Oui, chérie. Je peux sentir au fond de moi que ton mari est très en colère. Félix, s'il te plaît. Tu t'inquiètes beaucoup. Mais... s'il y a quelque chose qui ne va pas, quand il reviendra du boulot, il me le dira certainement. Alors ne t'inquiète pas. Ok? Maintenant, allons-y. Félicia, s'il te plaît, ne dis plus quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue. Bébé, tu es de retour. Tu es venu... Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? C'était quoi? C'est que je venais de voir. Je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Tu ne comprends rien? Hein? Hein? Es-tu en relation avec elle? Ah. Réponds-moi. Est-ce que tu cherches les femmes? Quoi? Ah. Mais de quoi es-tu en train de parler? Mike. Depuis que tu t'es marié avec moi, as-tu déjà vu un signe qui démontre que je suis une lesbienne? Est-ce que je sais? Hein? Tu m'as conduit à ce que j'accepte qu'elle vienne vivre avec nous. Mais voilà maintenant. Hein? C'est quoi le problème? Hein? C'est soit que tu la caresses, ou tu touches sa tête, ou soit encore que tu touches ses seins. Ah! Peux-tu me dire ce que ça veut dire? Mike! Ah! Je suis vraiment choquée à propos de tout ce que tu me dis. Comment peux-tu penser que je suis une lesbienne? De toutes les façons, dis-moi ce que tu as vu Félicie en train de faire. C'est juste de l'amour et l'affection. L'amour et l'affection, c'est ce que tu dis, n'est-ce pas? L'amour et l'affection, dans ma maison. Et en quoi est-ce que cela est différent du lesbianisme? Oh. C'est très clair que tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Je te dis. Hein? Ah, elle doit être triste à propos de tout ce que tu viens de dire. Ah. 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 J'espère que tout va bien. Mike, il est là. Ah, mon cher ami, mon cher ami. Vraiment, content de te voir. Je t'ai appelé, mais tu ne décrochais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te souhaite la bienvenue. Mike, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai entendu prier. Et ta femme était en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher, il y a des choses qui se passent dans ma maison avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Comment? Mon épouse avec cette femme, elles ont une histoire. Cette fille? De la romance dans ma maison. Oh miséricorde! C'est inacceptable. Seigneur, aie pitié. Mike, c'est tellement dur à avaler. Pourquoi tu penses à cela? Je les sais donc. Je les crois donc. Je les ai attrapés en plein acte. Dans ma maison.
En tout cas, je ne peux pas l'accepter. Dans ma propre maison. Calme-toi. Ok, ok, ok. Ah, maintenant, je comprends. Je comprends. Donc, tu l'as interpellée à propos de ça. C'est pour cela qu'elle est sortie. Ah. Je m'en fiche. Elle peut le faire autant qu'elle le veut. Je m'en fiche. Tout ceci commence à me dépasser. Dans cette maison. Peux-tu imaginer que... Elle n'a pas pu m'appeler lorsque j'ai quitté la maison sans avoir mangé la nourriture qu'elle était en train de préparer. Nous avons tous remarqué lorsque sa propre femme n'éprouve plus de l'amour pour soi. Oh non, ça c'est pas grâce. Ce n'est pas... Non. Dis-moi que c'est pas vrai. Oh, Ago, attends que je prenne quelque chose pour que nous allions dehors. Ce n'est pas possible. Grâce. Non, ce n'est pas possible. Grâce. Grâce de tout le monde. Non. Ce n'est pas possible. Bonjour. Oui, bonjour. Tu es Félicia, je pense. Monsieur, est-ce que je vous connais? Pourquoi? Désolé, je veux dire, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Oh. Beaucoup en tout cas, oui. Non, tu peux rester là où tu es, t'as pas de problème. Oh. D'accord. Mike, je t'ai dit. Tu avais raison. Peux-tu imaginer? Elle a voulu venir ici. Elle n'a même pas senti que j'étais là. Elle m'a même pas regardé. Ça fait dire que je ne représente rien pour elle. Imagine un homme comme moi, quelqu'un comme moi. Écoute-moi bien. C'est vraiment sa petite amie. Ça prouve exactement les comportements d'une lesbienne. Dans ma maison? Hein? Il faut que tu fasses quelque chose. Ne t'inquiète pas, je vais les gérer. On peut partir. Ok. Mon téléphone? Allons-y. Ok. Grâce. Oh, Félicia. Salut. Tu me cherches? Oui. Veux-tu quelque chose? Non. Es-tu sûre? Oh. Grâce. Oui. Je ne veux pas que tu te dises que j'ai joué à la fouineuse. Non. Je ne peux pas dire ça. Mais je sens comme si ça ne va pas être ton mari et toi. Non, Félicia. Tout va bien, ok. Ne t'inquiète pas. Merci pour ton attention. Mais, grâce, s'il te plaît. Si c'est à cause de moi que vous aviez ces mésententes. J'ai pas envie de te créer de problèmes. Parce que depuis que tu m'as ramené dans ta maison, tu es très gentille. Félicia, non! Non! Ne dis pas ça. Voyons, viens, assois-toi. Assois-toi. Félicia, tu n'es pas la cause de ces problèmes. Je ne veux pas que tu penses de cette façon. Je dirais, dans les mariages, l'homme et la femme ont toujours eu des problèmes. C'est normal. Un jour, quand tu vas te marier, tu seras la première à me le dire. Alors, ne t'inquiète pas.
grâce. Laisse-moi apporter deux verres de jus, je te reviens. Grâce. Je t'ai tout expliqué. N'essaye pas d'éviter le sujet. Tu n'es pas seulement mon ami, tu es comme une sœur pour moi. Tu peux me faire confiance, tu peux te confier à moi. Félicia, s'il te plaît, arrête. 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 Je ne saurais pas être à l'aise tout en sachant que ça ne va pas entre ton mari et toi. Et ça me fait encore très mal de savoir que c'est moi qui en ai l'auteur. Non, Félicia, ne dis pas ça, s'il te plaît. Combien de fois je te dirai que tu n'es pas la cause de nos problèmes? Ce n'est pas toi. C'est Mike. Mike est mon problème. Qu'est-ce que Mike a fait? Il ne me croit plus, Félicia. Je ne sais quoi faire. Regardez-moi. Si le fait que je reste ici, c'est ça qui cause le problème entre ton mari et toi, Grâce, je pense qu'il serait mieux que je parte. Non, 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 ne dis pas ça, ne dis pas ça, Félicia. Tu iras nulle part. Combien de fois je te dirai que tu n'es pas la cause de ces problèmes? Laisse-moi partir. Non, tu n'es pas la cause de nos problèmes. Viens ici. C'est bon, c'est bon. Non, tu n'iras mon amour. Pas, tu n'iras pas, non, non. Tu veux aller non, avec moi bébé, ou quoi hein? Tu n'iras hein? Pas. Permets-moi d'aller au boulot, je vais revenir très bientôt. Je reviens très bientôt, je reviens très bientôt. Ok. Non, ce que tu avais dit hier, non bébé, non. Non, bébé, je reviens bientôt, s'il te plaît, arrête, non. Je sais ce que tu veux. Bébé, reste seulement, non. Encore, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Bébé, s'il te plaît. Encore. Hein? Encore. C'est ce que tu dis toujours. Bébé. Hey. Ok, les derniers. Bébé, c'est les derniers. Bébé, bébé. Bébé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, tu veux faire mon travail? C'est moi qui suis supposée déposer ton sac dans la voiture. Bébé. Ok, fais-le alors. Si tu continues, je vais pleurer. Oh. Voilà, c'est mon travail. C'est mon travail. Mais, mon amour. Ah, mon amour, s'il te plaît, je veux juste que tu restes avec moi. Je te comprends, bébé. Bébé, attends maintenant, je vais bébé, te transporter. Bébé, bébé, bébé. S'il te plaît. Allez, Emmanuel, ouvre-moi la porte. Oui, madame. Nous ouvre-moi la porte. Ok. Ton boss n'ira pas travailler aujourd'hui. Ouais. C'est ce que j'attendais.
Bébé, arrête de me chatouiller. Bébé, je vais parler avec toi. Peux-tu retourner à l'intérieur? Bébé, je n'ai pas envie d'entrer dans cette maison. Merci. Mon amour, je sais que tu es en colère et je peux comprendre d'où ça provient. Mais la vérité est que tu dois juste comprendre. Félicia et moi sont juste des amis qui s'aiment. Rien de mal va arriver, je te promets. S'il te plaît, bébé, ne laisse pas ces vents nous emporter comme ça. Oui, Michael, ta femme a raison. Ta femme est une personne formidable et notre amitié ne date pas d'aujourd'hui. S'il te plaît, je n'aimerais pas que le fait que je vis ici puisse me créer de problèmes. Je sais, je prends l'entière responsabilité de tout ce qui se passe ici. Dites-moi, c'est qui d'entre vous deux que j'ai épousé? C'est moi que tu demandes. Réponds-moi. Grâce, bien sûr. Alors, que fais-tu ici? Oh. Ferme la porte après toi. Merci. Félicia, attends-moi, j'arrive. Bébé, voyons. S'en fait trop. Tout ce que je veux, c'est la femme que j'ai épousée. Rien de plus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la femme que j'ai épousée. Je n'ai pas besoin de quelque chose venant d'une autre personne. Je ne veux que la femme que j'ai épousée. Et je suis là pour toi, bébé. Pourquoi tu ne peux pas les voir? Ta grâce est juste là devant toi. Rien n'a changé. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Bébé... Hé, ne me touche pas. Bébé, s'il te plaît, ne laisse pas ces vents nous emporter. Je te fais voir qu'il n'y a rien entre moi et elle. Et pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi? Es-tu en train de parler à partir de tes lèvres ou de ton ventre? Je tiens à te remercier infiniment pour le fait que tu m'as rendue heureuse. D'accord, chérie. Tu as le droit d'être heureuse et je suis contente de t'avoir rendue heureuse. Honnêtement, grâce. Je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé en ce moment si tu n'étais pas pointée au moment où tu étais arrivée. Je suis vraiment ravie et le plus important, c'est de te voir en bonne. Et je dirais, assieds-toi. Alors dis-moi, comment s'est passée ta journée? Ma journée a été vraiment ennuyeuse parce que tu n'étais pas à mes côtés. Oh, c'est gentil. Viens ici. Bien, je suis là. C'est le plus important pour toi, non? Oh, oui. D'ailleurs, as-tu mangé? Non. Pourquoi? Tu sais très bien que je ne vais rien manger sans toi. Oh, Félicia. Ok, viens. Ok, laisse-moi te préparer quelque chose à manger, ok? D'accord. Oh, mais m'appelle pas comme ça. Pourquoi? Parce que si ton mari était là, il n'allait pas l'apprécier. Je l'ai déjà traité pour sa porte. Félicia, s'il te plaît, tu es mon amour et Mike est mon mari. Il ne veut pas être jaloux. Cette élue Diva. C'est vrai? Oui. Dis-le encore. La nourriture, s'il te plaît. D'accord. Félicia, essaie de m'attraper. Je t'ai attrapé. Non.
Bébé, je ne savais pas que tu étais de retour. Comment était ta journée? Je suis désolée, bébé, et je ne savais pas que tu étais déjà là. Bébé. Grâce. Oui, mon amour. Comment allais-tu savoir que je suis de retour? Hein? Pendant que tu étais très occupée avec ton ami, en train de vous serrer, de courir, de faire n'importe quoi. Comment allais-tu savoir que je suis de retour? Sois prudente avec moi dans cette maison. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Sois prudente avec moi dans cette maison. As-tu entendu ce que j'ai dit? Tout ce que tu fais actuellement n'ira pas aussi loin. J'ai préparé ton repas préféré. J'ai préparé ce repas, j'ai pas encore mangé. Veux-tu manger maintenant? Bébé. Je sais que tu es fatiguée, je sais ce que tu veux. De toutes les façons, je vais aller poser la tête. Félicia, pourquoi tu t'es mis dans cet état? Félicia, je suis inquiète. Comment je suis inquiète pour mon mari. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il n'est jamais revenu tard. D'accord, je te comprends. Mais as-tu essayé de le joindre au téléphone? Bien sûr. Je l'ai appelé, mais il ne prend pas mes appels. J'ai peur. Alors, qu'en est-il de son ami? As-tu aussi essayé de l'appeler? J'ai pas pensé à ça. La question est que pourquoi mon mari ne répond pas à mes appels? Il ne répond pas. Ma chérie, s'il te plaît, tu dois te calmer. Comment je vais me calmer, Félicia? Mais tu ne vas pas résoudre le problème. Tu dois te calmer, ma belle. Insistons pour voir s'il va répondre à notre appel. S'il te plaît, où est ton téléphone? Je pense que j'ai laissé ça quelque part, je ne sais pas. Écoute-moi, nous allons entrer dans la maison et je vais insister en l'appelant. Parce que même si nous restons ici jusqu'à demain, cela ne va rien résoudre. On y va à la maison, s'il non, te plaît. Non, ne dis pas ça. Non, allez. Non. Félicia, quand tu parles de cette façon, tu me fais peur. C'est comment bon. Est-ce que tu peux dire ça? Non, je ne cherche pas à te faire peur. Tout ce que je sais te dire est que s'inquiéter ne va rien résoudre. Félicia, dis-moi. Jusqu'à présent, mon mari n'est pas encore venu. Et si quelque chose de mal arrivait, Tu t'inquiètes pour rien. Félicia, où est-il? Écoute-moi. Ton mari est un homme. Il doit sûrement être dehors avec ses amis, en train de s'amuser. Oui, ok, allez, pouvons-nous entrer à la maison? Félicia. Crois-moi, Félicia, tout va bien. Est-ce que mon C'est mari bon. Va bien? Il va bien. Détends-toi. Viens avec moi. Félicia. Madame? S'il te plaît, ouvre les portails. Ok, madame. Dépêche-toi.
Dieu. Bébé. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu ne prenais pas mes appels? Tu vas bien. Ne me touche pas. Tu as pris quoi? Bébé. Si tu me touches encore, tu verras ce que je vais te faire. Allez, quitte de mon chemin. J'ai dit quitte de mon chemin. Que signifie tout ceci? Tu m'as rendu inquiète et je te parle, tu me dis. Ferme-la! Tu veux que je t'explique quoi? Hein? Je regrette, je ne devais pas m'inquiéter. J'ai parlé à haute voix, c'était clair. Tu m'as rendu inquiète. J'ai cherché par tous les moyens pour t'appeler. Et te voilà revenu. Au lieu de m'expliquer le problème, tu me demandes de fermer ma bouche? C'est quoi ça? Demande à ton ami de quitter ma maison. Hein? Tu as déjà fait assez pour elle, mais qu'elle parte maintenant de ma maison. Mike. Ou bien je vais m'occuper de la chasser d'ici moi-même. Mike, c'est toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu dis tout ça? Felicia. Bienvenue, Michael. Garde tes salutations. Ma femme et moi, nous avons déjà fait assez pour toi. Est-ce que tu entends? Je veux que tu partes de ma maison en paix. Oui, prends tes affaires et va-t'en. Tu mens. Elle n'ira nulle part. C'est toi qui me parles sur ces temps? Oh oui, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu ne peux pas parler à ton mari de la sorte. Oh, s'il te plaît, Felicia, arrête ça. Arrête ça, Felicia. La meilleure vie que nous avons, moi et lui, aujourd'hui, c'est à cause des sacrifices que tu as fait pour moi il y a quelques années. Non. Si elle quitte cette maison, moi aussi je quitterai. Je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Entre! Bonjour, monsieur. Felicia, bonjour. Comment te portes-tu aujourd'hui? En tout cas, je me sens mieux et cela grâce à vous et à votre femme. Tout ça grâce à Dieu. Ma femme s'inquiétait énormément pour toi. C'est ça. Elle est vraiment une bonne personne. Où est-elle? Je ne l'ai pas vue depuis le matin. Elle est dans la cuisine. D'accord, je m'en vais à la cuisine. Ok. Oh, mais qui est-ce qui est là? Tu t'es réveillée? Comment tu vas? Oh, je vais bien. Comment était ta nuit? Et ça s'est bien passé. Et alors toi? Très bien. Pourquoi n'étais-tu pas venue me réveiller le matin? Hein? Non. J'allais peut-être t'aider à la cuisine. Je ne voulais pas te déranger. Mike aussi ne voulait pas que je te dérange. Mais je te promets, prochainement, quand j'irai au marché, je vais t'appeler. Ok, mais promets-moi que prochainement, quand tu seras en train de faire le ménage dans la cuisine, tu me feras appel. S'il te plaît. Ok, ok. Ok, mon amour. Je le ferai, ok? Alors, as-tu fini ou soit tu encore d'autres trucs à faire? Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu comprendras. Allons-y. Mike? Mike? Elle m'a appelé Mike. C'est quoi le problème? Une femme pour qui j'ai payé la dot. La femme que j'ai épousée. Elle a ce courage de me dire droit dans les yeux que si j'ai chassé son amie de cette maison, elle aussi va partir avec elle. Mon cher, cette histoire c'est tellement compliqué. En parlant de ça, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça peut la pousser à faire ça.
il n'y a aucune raison derrière ses actions. Excepté qu'elle se réjouit de cette petite fille. Oh oui! Elle se réjouit de la toucher, de la caresser et même de l'embrasser. Non mon cher, trouvez notre moyen, non? Quel autre moyen? Quel autre moyen? Sais-tu à quel niveau elle se retrouve? Hein? Tu n'as qu'à me croire. Et c'est moi qui suis avec elle chaque jour. Ok, calme-toi. Il faut trouver une solution par rapport à cela. Tu sais, tu verras c'est ma quoi faire. Ok. Hein? Mais je crois que tu ne vas rien trouver, tu ne te feras souffrir que pour rien. Calme-toi. Elles sont là. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Je n'arrive pas à croire. Calme-toi, ok? La femme pour qui j'ai payé la dot. Non, en tout cas, je n'arrive pas à le croire. Grâce, ton mariage avec Mike, c'était vraiment la vraie définition d'un mariage de perfection. Cette perfection est complètement remplacée par les substitutions. Et ça ne devrait pas être ainsi. André, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que mon mari veut exactement? Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Je vais te répondre. Car je sais que c'est à moi que tu poses indirectement cette question. Fais partir cette fille de ma maison. Tu mens. Mike, je t'avais dit l'autre fois, le jour qu'elle quittera, je quitterai avec elle. Elle ne quittera pas jusqu'à ce que je vais payer sa dette. Calmez-vous d'abord, calmez-vous. Il n'y a aucune dette. Il n'y a aucune dette à payer. Oh oui, excepté qu'elle se réjouit de cette petite fille. Elle se réjouit de la toucher, de la caresser et même de l'embrasser. Quoi? Mike, calme-toi. André, c'est fini. Je te parle attends, et tu t'en attends, vas. Attends, attends. Oui, oui. Calme-toi. André, vous êtes méchant. La chose la plus difficile à faire, c'est d'expliquer une vérité à une personne incrédule qui décide d'ignorer cela. C'est quoi ces bêtises? Ah! Ah! Écoute, écoute, il faut que tu saches très bien que tu es mariée. Hein? Je n'en ai pas besoin. Ah. Toi, tu es encore là? Pourquoi tu ne veux pas prendre tes histoires et partir? Tu es en train de détruire les mariages de quelqu'un, mais pars! La vérité est que je me bats plutôt de toutes mes forces pour ces mariages. La raison pour laquelle je reste dans cette maison, c'est pour qu'ils ne puissent pas se séparer en quai de poisson. Attends, mais pourquoi tu as fait cela? Hein? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? C'est parce que... Hey, ferme-la! Mon cher, ma, calme-toi. Tu n'as qu'à sortir de chez moi. Calme-toi d'abord, calme-toi. Sors maintenant de ma maison par ta propre volonté. Sinon, tu seras une femme morte. Mike. As-tu entendu ce que j'ai dit? Mike, calme-toi. J'ai dit, Mike. Sors de ma maison. Mike, tu vois, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Et tu sais quoi? Tu es en train de détruire son mariage. Écoute-moi. Je veux que tu trouves un autre endroit. Trouve un autre endroit pour toi-même. Je vais t'aider, si tu veux. Attends. Voici ma carte. Prends-la. Appelle-moi. Je vais t'aider. Je ferai tout ce que tu voudras juste pour sauver le mariage de ton ami. Ok? Oui. Maintenant, voilà. Voici ma carte. Prends-la. Appelle-moi. Je vais t'aider. Je ferai tout ce que tu voudras juste pour sauver le mariage de ton ami. Ok? Oui.
Calme-toi. Je dois me calmer? Tu as réussi à mettre mon ami dehors et tu me demandes de me calmer? Calme-toi. Mike, tu n'as pas un bon cœur. Tu es méchant. Tu es vraiment un démon. Calme-toi. Calme-toi. Arrête de me demander de me calmer. S'il te plaît, calme-toi. 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 J'ai dit calme-toi. 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 Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? C'était quoi? C'est que je venais de voir. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Tu ne comprends pas? Hein? Hein? Es-tu en relation avec elle? Réponds-moi! Est-ce que tu cherches les femmes? Quoi? De quoi es-tu en train de parler? Mike? Depuis que tu m'as épousé, as-tu déjà vu un signe qui démontre que je suis une lesbienne? Est-ce que je sais? Hein? Tu m'as conduit à ce que j'accepte qu'elle vienne vivre avec nous. Mais voilà maintenant. Hein? C'est quoi le problème? Hein? C'est soit que tu la caresses, ou tu touches sa tête, ou soit encore que tu touches ses seins. Peux-tu me dire ce que ça veut dire? Mike, je suis tellement choquée à propos de tout ce que tu es en train de me dire. Comment peux-tu penser que je suis une lesbienne? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as vu Félicie en train de faire? C'est juste l'amour et l'affection. L'amour et l'affection, c'est ce que tu dis, n'est-ce pas? L'amour et l'affection dans ma maison. Et en quoi est-ce que cela est différent du lesbianisme? C'est très clair que tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Je te dis. Hein? Elle doit être inquiète. Vu tout ce que tu viens de dire. J'espère que tout va bien. Mike, il est là. Mon cher ami. Voilà, content de te voir. Je t'ai appelé, mais tu ne décrochais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je te souhaite la bienvenue. Mike, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai entendu crier. Et ta femme était en train de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher, il y a des choses qui se passent dans ma maison avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Comment? Mon épouse avec cette femme, elles ont une histoire. Cette fille. De la romance dans ma maison. Oh miséricorde. C'est inacceptable. Seigneur, aie pitié. Mike, c'est tellement dur à avaler. Pourquoi tu penses à cela? Je les sais donc. Je les crois donc. Je les ai attrapés en plein acte. Dans ma maison. En tout cas, je ne peux pas l'accepter. Dans ma propre maison. Calme-toi. Ok. Ah, maintenant, je comprends. Je comprends. Donc, tu l'as interpellée à propos de ça. C'est pour cela qu'elle est sortie. Je m'en fiche.
Elle peut le faire autant qu'elle le veut. Je m'en fiche, tout ceci commence à me dépasser. Dans cette maison, peux-tu imaginer que elle n'a pas pu m'appeler lorsque j'ai quitté la maison sans avoir mangé la nourriture qu'elle était en train de préparer. Nous avons tous remarqué lorsque sa propre femme n'éprouve plus de l'amour pour soi. Oh non, ça c'est pas grâce. Ce n'est pas... Non. Dis-moi que c'est pas vrai. Oh, Ago, attends que je prenne quelque chose pour que nous allions dehors. Ce n'est pas possible. Grâce. Non, ce n'est pas possible. Grâce. Grâce de tout le monde. Non. Ce n'est pas possible. Bonjour. Oui, bonjour. Tu es Félicia, je pense. Monsieur, est-ce que je vous connais? Pourquoi? Désolé, je veux dire, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Oh. Beaucoup en tout cas, oui. Non, tu peux rester là où tu es, il n'y a pas de problème. D'accord. Mike, je t'ai dit. Tu avais raison. Peux-tu imaginer? Elle a voulu venir ici. Elle n'a même pas senti que j'étais là. Elle m'a même pas regardé. Ça fait dire que je ne représente rien pour elle. Imagine un homme comme moi, quelqu'un comme moi. Écoute-moi bien. C'est vraiment sa petite amie. Ça prouve exactement les comportements d'une lesbienne. Dans ma maison? Hein? Il faut que tu fasses quelque chose. Ne t'inquiète pas, je vais les gérer. On peut partir. Ok. Mon téléphone? Allons-y. Ok. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Monsieur, j'ai reçu un message au téléphone que vous m'avez transféré une somme de 50 000 liras. Que dois-je faire avec cet argent, monsieur? Cette somme de 50 000 liras, c'est pour ton transport. Utilise-le pour payer le transport. Faudrait que tu partes de chez moi. Je ne veux plus te voir, ne serait-ce qu'à côté de ma maison. M'as-tu entendu? Ces 50 000 liras, c'est le dernier acte de gentillesse que je ferai pour toi dans cette maison. M'as-tu entendu? Va maintenant prendre tes affaires et pars. Merci. D'accord, monsieur, c'est entendu. Sous votre respect, j'aimerais avoir votre numéro de compte, monsieur, pour que je puisse vous restituer cet argent. Le fait est que je n'en aurai pas besoin. Mais tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Non, Mike, hein? Calme-toi, Mike. Mike. Hein? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Hein? Monsieur, S'il te plaît. Pardon. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas utiliser la brutalité sur toi. Est-ce que tu m'as entendu? Prends tes affaires et ne dis rien à ma femme. Et va-t'en. Si tu veux avoir la paix. Ça va, Ali. Est-ce que ça tu va. M'as entendu? Ça va, Ali. Ça va aller. On t'a déjà donné l'argent. C'est le moment de partir. Il faut vraiment que tu t'en ailles, tu vois? Merci. Mike, mon ami, tu as fait vraiment un bon choix. Hey, tu as trouvé une solution. Tu lui as donné vraiment l'argent. Oui, tu as trouvé une solution. C'est fini cette bêtise. Elle doit seulement quitter ta maison. Hein? Et là, tu vas vivre en paix.
Waouh, ça c'est mon ami. Toi-même tu le sais. Une bonne solution. Qu'elle parte d'ici. C'est vraiment une solution. Waouh. Il faut vraiment que je parte. Es-tu vraiment sérieux? Mm-hmm. Donc elle pleurait lorsqu'elle avait appris. Oh oui, elle a vraiment eu un cœur brisé. Mais tu connais les femmes avec leurs drames. Mais très bientôt, elle va reprendre à marcher sur ses pieds. Tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est du temps. Et je dois lui accorder du temps pour qu'elle se calme. Et lorsqu'elle va reprendre ses esprits, je vais... Mais je sais qu'elle va reprendre très bientôt ses esprits. Je suis content que tu sois heureux. Honnêtement, si je peux me le permettre, je suis heureux que tu fasses l'amour. Mmh. Fais l'amour avec elle. Montre-lui que tu l'aimes et tu l'aimes beaucoup. Écoute, montre-lui que tu l'aimes d'une manière particulière. Il faut lui faire comprendre que ce que tu as fait était juste pour votre intérêt, pour sauver votre amour. Est-ce que tu comprends? Oui, tu as raison. Tu as vraiment raison. Tu as raison. Il faut que tu le fasses. J'ai moi aussi pensé à ça. Et lorsqu'elle va revenir, je vais lui donner un peu de sucre. Elle va adorer. Tu vois, elle est quand même ma femme. Elle est quand même ma femme. Je sais que ça va bien se passer. Elle je sais qu'elle va vraiment adorer ça. Tout ira mieux. Ah, mon Dieu. Femme. Je l'aime. Attends. Excuse-moi. Oui, allô? Fred. Oui, je t'envoie l'audio. En fait, tu dois envoyer lundi. Envoie-le lundi. Oui, il est là. On est en train de causer. Ok, très bien. Fred. Oh. Alors. Un peu de sucre dans santé. Un peu d'amour. Avec elle. Santé. Tu vois maintenant, elle porte vraiment son idée de partir de ma maison. Félix est parti et maintenant elle veut la suivre. Voilà maintenant. Mon cher, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec Grace? Hein? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Dis-moi, quel genre d'être a Grace jusqu'à tel point d'abandonner vraiment son mari? Je ne crois pas à cette merde de dette. Je ne crois pas à ça du tout. Quelle dette doit-elle? Peut-être qu'elles se sont passées juste un accord de vivre ensemble. Pendant combien de temps va-t-elle continuer à aider cette pauvre fille qu'elle a ramassée à partir de Facebook? Comme si je m'en doutais. Mike, tu ne devrais pas dire ça. La seule chose que nous devons penser maintenant, c'est comment voir ta femme. Où peut-elle bien partir? Elle peut être au village. Elle peut être au village à côté de sa maman. Peut-être qu'elles peuvent être ensemble en train de passer du bon temps. Oui. Écoute, appelle ta belle-mère. Oui. Elle cherche à découvrir. Penses-tu? Oui. On doit savoir où elle se trouve. On parle à sa mère et cherche à savoir si elle se trouve là-bas. En tout cas, mon cher, en tout cas, hein, tu me surpasses deux fois. Hein. Tu ne manques jamais d'idées. Tu proposes toujours oui, des bonnes choses. Oui, c'est ça. Hein? Fais-le d'abord. Elle ne prend pas? Je suggère qu'on parte. En fait, qu'on part la voir. Hein? Il faut qu'on la voie. Dans ces cas, alors, je ne pourrais pas aller seul. Tu es mon ami et j'aimerais que tu viennes avec moi. Est-ce que c'est nécessaire? Mon cher, viens avec moi. Allons la chercher là-bas. Ok, comme tu insistes, je vais partir avec toi. Mais je ne vais pas, en fait... Hein?
Je vais compléter quelque chose avant. Pas de problème. Je vais te permettre que tu ailles là-bas, finir toutes tes tâches. Oui, sois en tout cas à l'aise pour ça. Qu'est-il de ta voiture alors? Mon cher, ne t'occupe pas de ça. Cet idiote a pris tout ce que j'avais. Hein? Ok, d'accord, pas de problème. Nous devons quand même trouver une solution pour tout régler. C'est ça mon problème avec lui, maman. À chaque fois que j'essaie de l'expliquer qu'il n'y a rien entre moi et elle, maman, il se fâche toujours. Et il ne veut même pas m'écouter, maman. Mais qu'est-ce que je dois... Ma fille. Maman. Ce que tu as fait est vraiment mauvais. Maman. Dans le vrai sens du terme. Tu as mal fait. Qu'importe ce que c'est, tu n'aurais pas dû quitter la maison de ton mari. Tu ne devais pas partir sous n'importe quel prétexte. Tu étais supposé rester avec Michael pour toujours. Rien ne devait se mettre entre vous. Mais regarde. Donc maman, tu veux aussi voir Félicia partir? Maman, si tu vois cette fille, tu me donneras raison d'avoir accepté d'habiter avec elle. Elle a besoin d'aide, maman. Je sais tout ça. Qui sait déjà? Et c'est ton mari qui mérite que tu l'abandonnes à cause de ton ami. Est-ce que tu t'attends à parler? Tu n'as pas de respect envers l'homme qui t'a gardé sous son toit avec ton ami. Tu vivais chez lui. Tu mangeais avec son argent. Tu buvais avec son argent. Et tu prenais soin de ton ami pour laquelle tu as quitté la maison avec son argent. Et jusqu'à présent, tu ne ressens même pas des remords. Le fait est que tu dois rentrer chez toi pour demander pardon à ton mari. Mets-toi à genoux et supplie-le pour qu'il puisse te pardonner. Maman! Arrête de m'appeler maman. Si tu répètes encore ces mots, maman, je vais m'occuper de toi. Tu dois faire exactement ce que je t'ai demandé. Excepté si tu as envie de te déambuler dans la rue et rencontrer les hommes pour lesquels tu as quitté la maison de ton mari. Tu ne resteras pas chez moi. N'importe quoi. Maman. Et si jamais tu rentrais là-bas et que tu trouves qu'il a épousé ton ami. Oh oui. Et s'il prenait ton ami à ta place, que vas-tu faire? Ton ami ne quittera pas la maison de son mari pour toi. Tu as fait tout ça parce que tu es une stupide. Je ne t'ai pas élevée de cette manière. Pas du tout. Ne m'appelle pas maman. Parce que si je me mets à parler, tu ne vas pas me reconnaître. Donc, arrête-moi ça. Je te vois déjà là-bas, en train de supplier ton mari. Maman. Je ne veux pas que tu m'appelles. Si tu continues, je vais m'y fâcher. Tu me connais. Ma fille Grace était malade. Elle a été traitée. 3 mois plus tard, elle avait fait une rechute. Et les mêmes symptômes ont repris. Le médecin qui l'a traitée nous a dit que ses reins étaient endommagés. Donc ma fille a besoin d'une transplantation. Il me faut 10 millions pour la transplantation. Tu sais comment je vis. Je ne sais quoi vendre. Je ne sais pas recommencer. Je suis en train de regarder ma fille tous les jours, en train de mourir. Que dois-je vendre? Vers qui dois-je me tourner? Je suis en train de voir ma fille en train de souffrir tous les jours. Où est-ce que je vais trouver la somme des 19 millions? Maman. Maman, ne pleure pas. T'inquiète, je vais payer l'argent que le docteur a demandé. Que viens-tu de dire? Oui, maman, je vais payer cet argent parce que... Il s'agit de 10 millions de naira. Oui, maman, je le paierai. Parce que, à cause de cette maladie, j'avais aussi perdu ma mère. Aujourd'hui, je n'ai plus de mère à cause de ça. Oui. Maman, Grace est très précieuse pour moi.
et je n'accepterai pas de la perdre. Et si mon père était encore en vie, maman, je crois qu'il allait faire la même chose. Maman, j'ai pas envie que tu pleures. Je veux que nous soyons fortes. Nous allons surmonter ces problèmes ensemble. Je suis sans voix. Ma fille, c'est bon. Je ne sais quoi dire. Je ne savais pas que les anges vivaient parmi nous. J'avais perdu tout espoir. J'ai cru que j'allais perdre ma fille. Ali, non. Donc ma fille grâce va oh, vivre. Oui. Ma fille va vivre. Oh, maman, ça suffit. Allez. Ah, j'avais perdu espoir. Oh, maman. Félicia, merci. Merci maman. Beaucoup que tu aies été ça bénie, suffit. Mon Dieu. Arrête. Grâce. Oui, maman. Qu'allons-nous manger? Maman, c'est à moi que tu poses cette question. Je pense qu'il y a un peu de riz qui était resté le matin. Va prendre un peu de patates douces, c'est ce qu'on va manger. Maman, encore du riz. Vas-y. Mais nous ne pouvons quand même pas jeter ce qui était resté. Va prendre un peu de patates, comme ça nous allons mélanger avec le riz et manger le soir. Comment ça le riz encore? Que veux-tu manger d'autre? Maman, je suis fatiguée de manger le riz tous les jours. Dans ce cas, va trouver quelque chose d'autre. Va acheter avec ton argent au marché. Va faire les patates vite, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Grâce! Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Grâce! Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Allez, ma fille. Ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Essaie de te lever. Courage. Oui. Oh, désolée. Aïe. Fais-en aller entrer à la maison. Courage. Doucement, ma fille. Oui, on y va. Va t'allonger. Va t'allonger à la maison. On y va. De toutes ces choses que je vous ai expliquées, y a-t-il un endroit où je lui ai fait du mal? Lui ai-je fait du mal? Et ma femme veut détruire cette bonne famille que nous avons bâtie juste à cause de son ami Félicien. Tu n'as rien fait du mal, mon fils. Je te comprends. Ce qu'a fait ma fille est très mauvais. Je le sais. J'ai beaucoup de regrets à cause de cet acte. Je lui ai dit ça. Elle ne va pas lui nier. Mais cette fille, Félicia, qui vivait chez toi, elle avait vendu tout ce qu'elle avait hérité de sa famille. Elle avait vidé son compte bancaire. Elle avait vendu tout ce qu'elle avait de valeur. Juste pour se rassurer que ma fille s'y présente, je veux dire, votre femme puisse vivre. Sinon, en ce moment, elle allait déjà être morte. Oui, maman, je sais. Mais bien que ça... Elle... Ça... Ça ne fait pas qu'elle désobéisse à mes ordres. Tu vois, tous les deux, la communication est un élément très important dans un couple. S'il y avait une bonne communication entre vous, tout ceci n'allait pas arriver. Vous alliez toujours être ensemble en ce moment. Et tous ces drames n'allaient pas avoir lieu. Nous sommes arrivés, tu peux descendre. Mais descendons. Nous sommes déjà arrivés. Mon cher ami. Descends. Bon après-midi. Félicia! Félicia! Mais qu'est-ce que c'est? Mon cher. Oui, j'avais pris le temps de causer avec elle et j'avais compris ce qui n'allait pas.
Lorsque tu lui avais demandé de quitter ta maison, tu sais, je l'avais recommandé quelque chose. En fait, je l'avais aidé. Je voulais vraiment savoir ce qui n'allait pas. Elle était avec moi. J'ai essayé de l'écouter et j'ai compris tout ce qu'elle disait. J'ai trouvé qu'elle n'était pas celle qu'on pensait. C'est une bonne fille. En fait, tout ce qu'on disait à propos d'elle, c'était faux. C'est faux. Mais... C'est ça. Dieu soit loué. Félicia. Oh, ma fille. Aïe, ça fait longtemps. En tout cas, mon cher, tu ne manques jamais de très bonnes solutions. Voilà encore une fois que tu mon as cher. Je lui ai pas dit, je lui ai pas dit que tu étais venu ici. Raison pour laquelle je suis venu directement. Pour qu'il n'y ait pas. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Ça, tu es c'est méchant, mon gars. Toi. Mon cher ami. En tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Ah, merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.